Ça représente beaucoup de fierté parce qu'on représente son pays et puis ça représente aussi beaucoup de challenges. Il y a les jeux en ligne de mire et c'est quelque chose qui nous fait tous rêver, qui nous anime au quotidien. C'est vrai qu'une médaille de bronze, c'est quelque chose de ramener une médaille olympique, mais le rêve olympique, ça reste bien sûr de décrocher une médaille d'or, d'être champion olympique, ça reste un rêve de gosse. Pour les Jeux à Rio, c'est vrai que j'ai eu des expériences très difficiles à vivre. Il y a eu certaines journées de compétition où ça a été catastrophique pour moi. Et je pense que si je devais garder une leçon de tout ça, c'est d'être capable de s'adapter vraiment à toutes les conditions. Angie m'a épaulé pendant toute ma campagne pour les Jeux de Rio. Et quand j'ai appris que j'étais de nouveau dans ce team, pour moi, voilà, ça a été un écho un petit peu par rapport à ce que j'avais vécu déjà pour Rio. Et puis j'espère que ça me portera chance également.